Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc la Colombie contre l'Uruguay. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Merci Grégoire, on en a parlé ensemble avant le match, on espère assister à une belle rencontre. L'hymne national est toujours un moment très solennel. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. Début de la rencontre. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Ça pourrait bien être James Rodriguez, la révélation colombienne de 2014. Il a été adoubé par beaucoup d'anciennes stars et on comprend pourquoi. C'est une faute, l'arbitre intervient. Ça joue à gauche. Ouverture vers le poteau de corner. Pereira qui centre. C'est bon, le danger est repoussé. L'Uruguay qui essaye de construire. Pereira qui centre. Ça rentre! Et ça, c'est un beau coup de tête, mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Ce ballon bien dosé. Oh, le bon ballon. Un ballon dégagé très loin. Un centre bien placé. Et encore un centre raté. C'est une occasion, ça! Dans la surface. Oh, quel geste! Maxi qui centre. Et la défense se donne de l'air. Le ballon sort en touche. Arias. Et ce ballon sur l'aile. Il peut repiquer dans l'axe. Il parvient à centrer. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Et il marque. Ah, ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite des airs, monte à la défense. Il est parfait. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué long, attention. Va-t-il en profiter? Oh, quelle parade! Oh, le gardien est là, la classe! C'est un super arrêt, fine save. Il a failli marquer un nouveau but. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien, on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Il la repousse.
Sanchez. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. James Rodriguez. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Deux buts d'avance, ils mènent pour l'instant 2-0. La seconde période, c'est parti. Pereira. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Dans le dos de la défense, ça sent la frappe. Oui, il peut frapper là. Bien repoussé par le gardien. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Il renverse, c'est bien fait. Quel timing dans l'interception. Rodriguez. La Colombie a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centre. Oui, c'est vrai, il y a surpopulation dans l'axe. L'inconvénient, c'est qu'il laisse pas mal d'espace dans d'autres zones. Alvaro González. Il était bien présent. James Rodriguez. Chance. Ah, il a failli en profiter. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. C'est joué long. James Rodriguez. Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. Les adversaires savent que c'est lui le danger, alors ils essaient de le priver de ballon. C'est une tactique qui marche plutôt bien jusqu'ici. Ce sera le premier corner du match. Et cette tête ! Et voilà, but ! Ils comptent désormais 3 buts d'avance, leurs adversaires sont KO debout là. Très bon corner, et évidemment, il en a profité. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction, et ça vous donne un but. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. James Rodriguez. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Il tente de la jouer dans l'espace. La passe interceptée. Sans se poser de questions. Quelle fait du bien cette interception. Le gardien loin devant. Il relance côté droit. Oh, voici James Rodriguez. S'il le trouve. Pour trouver la faille dans la défense. Il est passé. Oh, l'intervention magnifique. Super timing, à la limite du hors-jeu. Dans l'espace, il est servi. Suarez. Encore une chance. Oh, le but. Oh, le résultat était déjà assuré, mais il continue. Il continue. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. Il avait bien suivi en misant justement sur une erreur du gardien. Le tir était difficile à capter. Bien joué. Deux buts déjà dans ce match. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Deux changements d'un seul coup. Le manager a décidé de faire tourner. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Jackson Martinez à droite. Jackson Martinez. Jackson Martinez. Et oui, but. Vraiment magnifique ce 1-2. Ils se comprennent parfaitement. C'est fabuleux. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant.
Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu, c'est fabuleux. Et c'est reparti, on dirait bien qu'ils n'ont pas du tout abdiqué. C'est repoussé. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Festival des attaquants aujourd'hui, ils ont fait mal, ils ont surtout connu énormément de réussite. Le score peut en témoigner. Ce but en début de match leur a fait beaucoup de bien, ils ont pu jouer plus libérés après ça. Et ça se reflète forcément dans le score final. C'est la fin de notre après-midi football, on doit se quitter. Darren d'Angleterre, merci d'avoir été avec nous.